nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et sa glorieuse... Du François Villon dans le quartier de l'Hortal à Olmeto. Une des propositions de ces jeunes comédiens, mais aussi auteurs et metteurs en scène pour certains, tous issus de l'école Auvray-Nauroy à Paris. Paul Fortini, par qui tout est parti, voulait un projet très ambitieux pour son village. C'est des pièces très ambitieuses. C'est... En même temps, on n'a pas envie de venir ici avec un travail facile. On a envie de montrer ce qu'on fait, de donner... De vraiment se donner, de transmettre en fait notre passion du théâtre et notre passion des beaux mots d'une certaine manière. Ne te sépare pas de moi, de peur que tu n'ailles mourir, ne dénoue pas les mains qui sont attachées. Entre Buchner et Gaston Coutet, Paul Claudel est aussi au programme avec l'échange écrite il y a plus de 100 ans où il est question d'amour, de trahison, de liberté. Letchi, je pense que vous n'êtes pas bien. Ce premier festival a nécessité 8 mois de préparation avec le soutien du comité d'animation d'Olmeto, très fier de cette réalisation. Je crois que la culture dans notre village, c'est quelque chose de très, très fort. Et notre population a adhéré très vite et ça leur a plu. Je pense que vu le monde qu'on a eu hier soir, je pense que ça va continuer encore aujourd'hui. Face à des comédiens qui donnent tout, le public est conquis. Sans voix, parce que c'est vraiment joué avec divinement bien. Vous êtes ému ? Très ému, très très ému, voilà. Je suis enchantée de ce moment théâtral, représenté par des acteurs qui promettent et qui vont aller très loin, je pense. Pour moi aussi, beaucoup d'émotions, voilà. Voir mon fils jouer déjà d'une part et puis surtout du beau projet qu'il a emmené dans le village. Je suis fière voilà, qu'il n'ait pas oublié d'où il vient et qu'il prenne le peu de temps de vacances qu'il a pour venir montrer ce qu'il sait faire aux gens du village et partager sa passion. Au programme ce soir, les petits poèmes d'un gars qui a mal tourné, Éléonce et Léna. Un premier festival vraiment très réussi et qui dit d'ores et déjà à l'année prochaine.